Mais moi, c'est sûr que c'est de rentrer dans le top. Là, je suis 56 au monde. C'est de rentrer dans le top 48 mondial assez rapidement. C'est comme ça que tu peux rentrer dans les gros tournois Platinum. Tu es assuré, ils prennent 48 joueurs. Donc, je veux m'assurer de pouvoir jouer tous les gros tournois, tu sais, le British Open, le Tournament of Champions. Là, je suis toujours dans les réserves. Je suis allé à Hong Kong. Je suis arrivé à Hong Kong la journée avant mon match parce qu'il y a quelqu'un qui s'est retiré à la dernière minute. Tu dois voyager à la dernière minute. C'est dur de se préparer. Donc, ouais, c'est vraiment de rentrer dans le top 48 mondial. Et puis, pour y arriver, ben, là, j'ai cinq tournois qui s'en viennent. Un gros à Calgary, puis après, c'est quatre 10 000, deux à, non, un à Calgary, deux à Toronto, puis un à Winnipeg. Mon but, c'est de gagner les quatre. C'est sûr que ça va pas être facile, mais si je gagne ces quatre tournois-là, c'est certain que je suis top 48 mondial, là. Ouais, en ce moment, je suis numéro 10 mondial. Et pour être protégé sur les gros tournois, il faut être top 8. Donc, mon objectif, c'est de rentrer dans les top 8 pour pouvoir être un peu plus protégé, pour accéder au quart de finale sans avoir à jouer un top 8 avant ce round. Mais mon objectif ultime, c'est d'arriver à une place de numéro 1 mondial. Donc, j'ai encore 10 ans pour y arriver. Ouais, ben moi, c'est j'essaie toujours de faire la même. Tu la journée ou juste le warm-up? Aussi loin, comment loin en avance que tu te prépares pour un match? Ah, ben c'est sûr que je suis déjà en train de penser à mes prochains adversaires, là. J'ai un tournoi à Calgary, je joue lundi, puis j'ai déjà un bon plan de match pour la personne contre qui je vais jouer. On connaît pas mal tous les joueurs sur le circuit, donc on sait à quoi s'attendre, puis avec ça, on essaie de bâtir un plan de match, puis regarder des vidéos sur YouTube ou sur Squash TV. Puis la journée des matchs, c'est sûr que tu vas avoir un bon sommeil idéalement. Ça arrive pas toujours. Tu peux être stressé, tu peux penser à plein de choses. Tu dors dans un lit différent, tu es dans un hôtel avec quelqu'un d'autre. Tu dors, c'est pas une garantie que tu dormes bien. Mais bon, faut faire avec. Tu peux pas avoir utilisé ça comme excuse parce que tout le monde s'en fout là, que t'as mal dormi. L'important c'est si tu gagnes ou tu perds. Là, fait que après c'est ça. Souvent, on déjeune, on va faire une petite pratique le matin tranquille avec une vingtaine de minutes normalement. Tu fais un bon échauffement puis un bon cool down après pour te sentir bien, puis bien bien en jambes, être confiant dans tes déplacements puis dans ta raquette. Puis arrivé avant le match, moi j'arrive environ 1 heure avant le match, puis 45 minutes avant, je fais du foam roller. Après, je commence à faire des exercices de yoga, puis après des exercices d'activation de mes muscles. Puis après, je commence à me réchauffer un peu sur le terrain avec la raquette, des déplacements, pour devenir de plus en plus spécifique. Puis après, finir avec un peu de ghosting. Fait que c'est tout le temps la même chose. C'est comme ça que je me sens bien. Victor, il doit avoir sa propre routine. Ça doit être similaire, mais il y a des trucs qui sont différents un peu. Puis chaque joueur, on en joue une cinquantaine de matchs comme ça par année. Donc, tu te ramasses à connaître ce que tu as besoin de faire là, pour performer au maximum. Victor, quelque chose à... Je crois qu'il a tout dit, hein? Tu répondras à la prochaine question. Si tu peux m'en laisser un petit peu, ça serait gentil. Bah, je pense que bien que je sois petit, j'aime beaucoup jouer les balles qui sont au-dessus de mon épaule. Donc tout ce qui est croisonnique au-dessus de l'épaule, c'est un coup que j'aime particulièrement et que je réussis aussi assez souvent. Tu as gagné un tournoi avec ça. J'ai gagné un tournoi grâce à ce coup, ouais. Bon, il fallait gagner 32 points avant, mais ouais, je pense que après en revers aussi, souvent j'essaye de lifter ma balle pour la jouer droite et envoyer mon adversaire du côté droit. Ça marche pas toujours, mais David me connaît trop bien maintenant. Il y a une couple de strokes que j'ai pas pris là-dessus. Là. Y en a-t-il qui ont des prédictions pour le coup de David? Non? Non, le revers masqué, je l'ai découvert, c'est juste lui qui mord, je sais pas pourquoi. Ça n'a jamais marché avant, mais lui, ça marchait à tous les coups. Là. C'est pour lui faire plaisir. Non, ça serait un kill du coup droit, là. Surtout un kill croisé ou parallèle aussi, j'aime bien, mais mon kill croisé, ouais, il est bon. Puis, tu sais, je suis gaucher, je l'ai fait un peu en arrière de moi, donc les joueurs sont pas trop habitués de le voir.
Puis, c'est un très bon coup, mais il ne faut pas que j'utilise souvent. J'arrive à l'utiliser un peu trop souvent. Si les joueurs s'en attendent puis sont rapidement dessus, ils peuvent faire un contre-amorti puis je peux me mettre dans le trouble. Donc, c'est savoir le jouer au bon moment parce que plus tu t'améliores, plus que les gars te connaissent. Puis, ils vont s'en attendre à ce shot-là. Donc, tu dois le faire au bon moment. Que ce soit une menace, mais tu sais, pas toujours la frapper à chaque opportunité. Et puis après, ça fait partie de l'analyse avant-match. Dans mes fiches, je vais marquer... David va jouer le coup droit croisé court. Et du coup, quand je vais être sur le court, je vais être prêt pour aller le défendre. Mais c'est pas pour ça que ça va pas marcher quelques fois dans le match. Je pense Grégory Gauthier, honnêtement. C'est un des joueurs qui, je pense que je suis pas le seul, qui est capable de laisser très, très, très peu de points à son adversaire. Dans un match en 3 jeux gagnants, il étouffe ses adversaires en enchaînant les points un après l'autre et sans vraiment te donner des opportunités de revenir dans la partie. Donc c'était un choc quand je l'ai joué pour la première et dernière fois en compétition. Mais c'est aussi la même personne à l'entraînement, il donne vraiment tout sur toutes les balles et donc ça le rend vraiment difficile à jouer. Je dirais que c'est au championnat du monde l'année dernière, j'ai joué Mazin Hacham. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de shots, beaucoup de winners et beaucoup de tins, mais tu rentres sur le terrain puis tu sens que ça dépend pas vraiment de toi. Ça dépend si lui rentre ses shots ou s'il rentre pas ses shots ou s'il fait des erreurs. Donc c'est très dur à jouer. Il n'y a aucun rythme. Il n'y a jamais deux longueurs de suite. Donc c'est très difficile. Après, il faut essayer de le contenir. Je sais pas si toi tu l'as déjà joué. Mais... J'ai joué deux fois. La première fois, j'ai perdu 11-2, 11-2 en 18 minutes. Et c'était juste après avoir gagné le numéro 1 mondial. Donc je me suis dit qu'il y avait encore pas mal de boulot à faire pour arriver en haut. C'est dur à dire des mentors là. Ultimement, tu veux battre tout le monde qui est sur le circuit présentement. Il faut que tu aies cette mentalité-là, puis je suis certain que Victor a la même mentalité. Après, il y a des personnes que tu regardais pas mal quand tu étais jeune. Là. Moi, c'est sûr qu'au Canada, c'était Jonathan Power. Mais après, j'ai vite compris que je pourrais jamais faire ce qu'il faisait avec sa raquette. Donc après, peut-être j'ai changé un peu. Quand j'étais plus jeune, je commençais sur le circuit, puis je suis allé m'entraîner à Bristol. Il y avait Mohamed El Shorbagi qui était là. Donc il m'impressionnait beaucoup, puis c'est dans le temps qu'il avait gagné, je pense, il avait gagné 28 ou 29 matchs de suite. Donc, c'était quoi qui est dur à imiter. Puis, ça prend vraiment une constance. Puis, tu sais, c'est la première fois que je me suis entraîné avec des joueurs de ce niveau-là. Puis, tu vois que l'attention qu'ils portent à tous les détails de toutes les fois qu'ils rentrent sur le terrain, tous les échauffements, à tous les jours, 2-3 fois par jour, qu'ils s'entraînent, tout est tellement minutieux puis appliqué que ouais, ça a été comme un choc là, quand je suis allé m'entraîner à Bristol pour la première fois. Je crois que je suis dans le bon pays pour poser cette question parce que moi aussi, mon premier joueur que j'affectionnais particulièrement, c'était Jonathan. C'est un peu pour ça que j'ai commencé à mettre le bandana. Une petite anecdote aussi, quand j'étais petit, j'avais tendance à pas mal contester les décisions d'arbitrage. Et mon papa, qui est aussi mon coach, il me disait, Victor, à chaque fois que tu contestes une décision d'arbitrage, tu perds 2-3 points derrière. Je disais, mais papa, regarde Jonathan, il conteste toutes les décisions d'arbitrage et pourtant il gagne. Comme dit David, je pense que aucun joueur pourra être comme Jonathan. Je pense qu'il avait une personnalité assez unique et il nous manque beaucoup sur le tour, je pense. Mais après Jonathan, avoir vécu en France, moi, c'était Thierry Lincou et Greg Gauthier qui m'ont beaucoup aidé à développer mon jeu. J'ai évolué sous la même démarche d'entraînement que Thierry. On a à peu près, enfin, en toute humilité, on a à peu près le même déplacement. ou du moins, j'essaye de tendre vers son déplacement qui était très très fluide. Après, oui, on essaye de prendre des petits bouts de chaque joueur en haut du classement. Je pense que Mohamed et son mental d'acier, Gawad et ses coups d'attaque,
Ali et c'est sa défense de tous les moments. Oui, il y a plein de joueurs, que j'affectionne beaucoup et que j'aime regarder jouer aussi. On est joueurs, mais on est aussi fans et passionnés de ce sport. Donc c'est sympa de voir plein de joueurs évoluer en haut du classement mondial, mais avec des façons de jouer différentes. On peut vraiment voir tout en haut du classement qu'il n'y a pas un joueur qui joue de la même manière, et ça c'est assez bien pour le sport en général. Ouais, c'est sûr que c'est un déblocage. Tu sais, ça fait longtemps que je m'entraîne fort, puis j'attendais une grosse victoire comme ça. Tu sais, j'ai eu des victoires dans le top 50, top 40, mais là, un joueur du top 15 mondial, ça fait du bien. Mais après, c'est de continuer, puis d'arriver à être constant à ce niveau-là, d'avoir des victoires similaires à chaque tournoi, à chaque jour, d'apporter ce niveau-là. J'ai pas réussi à répliquer ce niveau-là depuis, mais je sais que c'est là dans moi, puis ouais, ça donne confiance. Puis tu sais que tu peux atteindre ce niveau-là. Là. Ouais, du moins, tu es capable. Oui, exact. Mm-hmm. Ben, je pense qu'on est assez connu pour nos entraînements de ghosting, donc déplacement sur le court sans la balle. Donc pour les débutants, ça paraît un peu un peu stupide, mais ouais, brutal aussi. Mais c'est très efficace et ça permet de travailler plein de choses en même temps, autant l'aspect physique, l'aspect technique du déplacement, l'aspect cognitif, parce que tu peux aussi essayer de mimer des coups et ensuite essayer de voir dans sa tête comment la partie va se dérouler. J'utilise le mot partie maintenant tout le temps. Donc ça peut être un peu difficile quand on est jeune de commencer par le ghosting, parce que c'est difficile et c'est pas forcément fun, mais je pense que il faut passer par là, et je sais aussi que ça a une efficacité impressionnante, et derrière on se sent tellement léger sur le court et on peut juste bouger et avoir le sourire en se déplaçant dans les quatre coins du court et se faire plaisir. Donc ouais, je pense que c'est ce qui nous démarque d'autres façons de s'entraîner. Après, je sais que même en France, il y a des façons différentes de s'entraîner. Moi, j'étais vraiment proche de la démarche de Thierry Lincou, parce que mon papa et mon coach, il a appris à entraîner avec l'entraîneur de Thierry. Donc on a été assez proches. Et ensuite, moi, j'ai passé 4 ans à Boston. Donc j'allais voir Thierry assez souvent pour m'entraîner aussi. Mais oui, après on a aussi tous quelques spécificités d'entraînement, je pense. L'entraîneur de Thierry qui était Paul Skibera. Paul Skibera, ça. Ouais. Le fameux carré magique. C'est ça. Il en a fait un matin, et quand j'arrivais, pour s'échauffer, il faisait du carré magique. Non, mais je pense que le principal avant tout, c'est de faire plaisir. Je pense que quand on devient, même avant d'être professionnel, je pense que quand on est jeune et qu'on commence à en faire un peu plus régulièrement, donc c'est pas seulement le mercredi et le samedi avec les copains, mais c'est aussi pendant la semaine après l'école, on commence à prendre ça très au sérieux et parfois trop au sérieux, et on oublie l'aspect plaisir. Et je pense que, bah, comme vous avez vu aujourd'hui, on a toujours le sourire. Et je pense que pour pouvoir revenir sur le court tous les jours, matin et après-midi, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est la même chose dans tous les métiers. On a la chance de faire notre passion et notre métier. Donc c'est pas donné à tout le monde. C'est un privilège. Et donc il faut en profiter un maximum. Ouais, ben moi ça serait c'est dur à expliquer, mais c'est d'être consciente de tout ce que tu fais sur le terrain, d'être consciente de comment tu te déplaces, comment tu, je sais pas pourquoi je te regarde, je devrais pas te regarder. ouais, comment tu te déplaces, comment tu tiens ta raquette,
comment tu frappes la balle par rapport à comment tu es placé, puis comment les autres joueurs réagissent par rapport au coup que tu frappes, mais c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, puis d'être capable de développer ton jeu en comprenant ce qui marche puis ce qui marche pas dans tes entraînements puis dans tes matchs. Puis c'est ça aussi, ça passe par beaucoup de concentration dès que tu embarques sur le terrain. Là, quand tu es en pratique, là, Victor, il est très impressionnant pour ça. Tous les matins qu'on s'est entraîné, dès qu'on embarque sur le terrain, tu vois qu'il est très concentré, puis il essaie de... Il est en contrôle de ses coups, en contrôle de sa raquette, puis il est tout le temps en train d'essayer de s'améliorer puis de viser l'excellence. Puis c'est pas facile, mais bon, il faut... on n'est jamais satisfait de notre jeu, mais c'est ce qu'il faut essayer de faire, puis d'essayer d'être correct pour changer notre jeu, d'accepter que ça ne marchera pas tout de suite, mais que écouter ce que Maxime dit, puis d'essayer de le faire, puis de dire tu sais, au début, ça va peut-être pas marcher, mais après un bout, ça va fonctionner, puis ça va payer, puis ouais, c'est ça, écouter ton coach aussi, pour les autres aussi, pour tout le monde. Ouais, je me souviens de quelques fois qu'ils vont, c'est pas toujours le meilleur. C'est pas toujours facile, non, même moi. L'objectif premier aussi, c'est de vraiment essayer de faire un pas en avant à chaque entraînement, même un petit pas. Mais le but, c'est de progresser un petit peu tous les jours. Et parfois, on fait souvent un peu trop de quantité et pas assez de qualité. Ça sert à rien de passer 2 ou 3 heures sur le court si tu es concentré pendant 1 heure. Autant rester 1 heure sur le terrain et puis ensuite aller faire ce qui te fait plaisir, lire un livre, regarder un film, passer du temps avec tes amis. Parce que c'est quand même beaucoup de temps qu'on passe à s'entraîner, et donc il vaut mieux que ça soit le plus qualitatif possible. C'est aussi beaucoup, on demande aussi beaucoup à notre corps. Donc c'est une autre raison pour laquelle il faut être vraiment concentré et à fond pendant cette heure et demie, 2 heures d'entraînement, parce que après on use un peu trop son corps et puis les blessures arrivent. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi quand je suis allé à Bristol. C'est un gars comme Charbagui, il s'entraîne pas nécessairement plus que toi, mais il va s'entraîner mieux puis plus efficacement. Puis parce qu'il y a un point, c'est ça, ça sert plus à rien de s'entraîner. Tu t'entraînes au maximum, tu es fatigué, si t'es pas concentré, ben ça sert plus à rien. Là. Tu t'entraînes parce que tu veux dire que tu t'es entraîné 5 heures par jour, mais au bout du compte, là, ça te nuit plus que ça t'améliore. Là. Bon, mais merci les gars, c'était super, toi, super enrichissant. Et c'est toujours un plaisir de passer du temps ensemble. C'est aussi un plaisir de pouvoir parler français en dehors de mon pays. On vous aime beaucoup les Québécois, on aime beaucoup votre accent. Et même si on se moque de vous parfois, je pense que c'est réciproque. Donc j'espère pouvoir revenir dans un futur proche. Et puis continuez à vous amuser, continuez à nous suivre aussi sur Squash TV, et à bientôt. Ouais, moi aussi. Un gros merci à Maxime Leclerc puis à Squash Outaouais. C'est toujours un plaisir de venir ici. C'est ça, que dès que je savais que Victor allait venir, on a fait une exhibition à Montréal il y a 2 jours pour le lancement du championnat canadien. C'était une soirée de lancement pour les commanditaires. Puis c'est pour ça que Victor est venu au Canada. Puis ensuite, dès que je savais qu'elle allait passer un peu de temps à Montréal, mais j'ai écrit à Maxime. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on fasse de quoi à Gatineau, à Squash Outaouais? Puis en dedans d'une minute, il m'a répondu, oui, on est intéressé, on va faire de quoi. Donc, je suis très content. Puis je savais que j'allais avoir un appui de Maxime. Puis c'est super le fun. Il y a une belle communauté ici à chaque fois qu'on vient. C'est super, super vibrant. Il y a des jeunes, des femmes, des moins jeunes. Puis c'est toujours... j'ai juste un petit regard, là. Puis ouais, c'est toujours plaisant de venir à Gatineau. Donc, ouais, merci à Max, à Squash Outaouais, puis à la Sportec.